Allez, juste avant de partir, on se fait une petite gorgée de potion magique. Oh putain, il est froid. Merde. Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo de vengeance. On va aller s'occuper de la base du player. T'es sérieux? Survivants, c'est le Toucan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo de vengeance. On va aller s'occuper de la base du player 6900. Alors, si vous voyez ma tronche, non, je ne suis pas Pascal Obispo. C'est simplement que j'ai les yeux complètement éclatés, donc du coup, je mets des verres filtrants. Donc du coup, comme je le disais, on va aller s'occuper de la base du player 6900, pardon. Avant d'y aller, une petite gorgée de potion magique à la vôtre. Et on est parti. Allez. Alors, j'ai check YouTube, j'ai trouvé cette base. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est une base de level 2, ça va pas être du gros loot. Mais dans l'ensemble, il y a des petits trucs intéressants à récupérer quand même. Et surtout, ça va être la vidéo où je vais tenir parole. Je m'étais engagé il y a un jour ou deux, je sais plus. Je passe tellement de temps sur le jeu, je sais même plus quel jour on est. Je m'étais engagé donc à faire un raid. D'une manière bien particulière, donc du coup on va la faire ensemble cette petite attaque. Donc me voici, voilà, j'ai pris carrément la tenue d'été, on a le masque de plongée, le petit débardeur, le joli petit maillot de bain hacker et forcément quand même une petite paire de claquettes hein, pour éviter les mycoses. Donc comme je l'avais dit, voilà, petit raid au pied de biche. Je n'ai pas pris mon chien, c'est volontaire, mais bon, j'avoue je triche un petit peu. Voilà, il suffit de passer par là. Ah, j'avais dit que je ferais un raid, j'ai pas dit que j'attaquerais les zombies. Allez, on pète le petit établi. Table de couture, il n'y a rien dedans. Alors, donc voici la base. Voilà, il y a 5 coffres. Donc autant vous dire qu'on va pas se mettre full full. Alors avant d'attaquer à l'intérieur, moi je vais faire l'extérieur pour voir ce qu'il y a. Éventuellement, feu de camp, vous me connaissez. Ok, il n'y avait rien. Du coup, normalement, voilà, on a les premiers en bas qui arrivent. Pas folle la guêpe. Elle vient. Ah oui, c'est vrai que les pics sont tournés dans le sens là. Allez, on va essayer de les attirer. Allez, c'est quoi? On tente, on tente. Je sais pas ce que ça va donner, mais on tente. Ouh, putain, ça descend vite. Oh que ça descend vite. J'ai pas intérêt à faire pop le big one sur ce coup-là. C'est vraiment, c'est chaud. Hein. Mais je l'ai dit, je le fais. Je sais pas combien de temps la tenue va tenir. On va bien voir. Et en vrai, avec une petite tenue level 2, ça se gère, hein, au pied de biche. Pourquoi je m'embête à faire des machettes, moi? Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Formidable, du cuir et du tissu. Une petite hache. Donc du tissu, et je dis du tissu épais. Ça m'intéresse. Vous voyez, j'ai plus rien, c'est pour ça que je fais les raids à poil. Encore un peu de tissu. On a ici un petit jerrycan d'essence. On va avoir des chaussures. Je vais au moins prendre les chaussures parce que très sincèrement, pas envie que ça dure des heures. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit peu de carotte, on a encore un petit fond de hache. On va manger ça. Donc ça, c'est ce qui m'a piqué. Je vais lui récupérer ça également, je crois. Non mais vous êtes très... Moi je passe pas là. Non mais... Allez, viendez. Viendez les copains. Enfin, viendez pas tous ensemble. Viendez par là. On va essayer de les fatiguer quand même un petit peu. Hein. Il n'y a pas de raison. Allez, on peut s'amuser à ça toute la journée. Hein. Moi ça me dérange pas. On va pas essayer de... On va essayer de pas faire trop long quand même. Et là, très sincèrement, au moment de la vidéo, je suis en train de me demander... Si j'ai bien allumé mon micro. Ce matin, j'ai essayé de faire un record d'un raid. C'était sur la base de Céline. Je ne sais plus comment ça se prononce. J'essaierai de vous l'écrire sur la vidéo. Et malheureusement, j'ai oublié de lancer le record facecam. Donc en fait, le son est pourri et vous n'avez pas ma tronche en plus de ça.
Et en vrai, le masque de plongée tient bien, hein. Il me reste quoi? Il me reste plus qu'un gros là, hein. Ah non, il me reste aussi un petit mordeur. Ok, on va aller passer quelques petites babioles dans le chopper. J'adore le look que ça lui fait avec le masque de plongée, c'est trop fun. De toute façon, pour le moment, ils servent à rien. Il y a de fortes chances que j'en retrouve en raid, donc autant m'amuser un petit peu. C'est marrant, je trouve. Moi, il me faut pas grand-chose, hein. Tu me mets un masque de plongée, je suis content. Allez, je crois qu'il restait du tissu, mais tant pis. De toute façon, je vais pas repartir full sur cette base, mais c'est pas bien grave. Mais en fait, ça se fait, ça se gère. Hein. Ça se gère au pied de biche. Alors, on a encore des petits panneaux. On va récupérer un kit de soins. On va récupérer un peu de planche. Le petit os qui m'a piqué. Ça devait être à moi, je pense. Ça aussi. Les deux panneaux, ça devait être sur mon râtelier d'armes. Ah bah oui, d'accord. J'ai même plus de t-shirt. Eh bah dis donc, le t-shirt, par contre, ne tient vraiment pas longtemps. Hein. Oh, la vache. Ok, encore un petit circuit. Là, on va manger un petit peu. Hein. Du coup... Ouais, je vais repartir avec la casquette. Hein. On va prendre la petite bûche. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? Je refais un petit tour. On va récupérer les clou-clous. Les clou-clous, les clou-clous, les clou-clou-clou-clou. Rien à voir. Non. Si, je crois qu'il y en avait encore du cuir à côté. Ici, il y a plein d'autres qui m'intéressent. Voilà, il y a encore un peu de cuir. On va récupérer ça pour faire du tissu, puis ensuite du tissu épais, mais... Voilà, quoi. Alors, on est à combien? On est à 62. Ok. Voilà. Alors là, je vais pas m'embêter à affronter la troisième vague, par contre. Surtout pour ça. Donc du coup, on va péter tout ce qu'on peut péter là-dedans. Puis on essaiera de se barrer en courant. Ok, donc il n'y avait rien. On est à 91 de bruit. On va essayer d'attirer tout le monde de ce côté-ci. Allez, venez, venez les copains. Je suis là. Voilà. On va se les mettre bien ici, qu'ils soient bien obligés de faire tout le tour de la... Ok, allez. On est y part. On a chargé le chopper. Mais bon, là, j'ai le cul à l'air, donc... On va pas prendre trop de risques. J'ai pas envie de perdre un sac à dos tactique pour ça. Hein. Très sincèrement, ça vaut pas le coup. Mais c'était marrant. En tout cas, le pied de biche tient les deux premières vagues. Hein. C'est plutôt fun. Allez, plus qu'à rentrer à la base, et puis ben voilà. Voilà. Pour le moment, ben, j'ai plus grand chose à faire au niveau des tâches. Ben, plus qu'à attendre. Il me reste plus que les tâches, en fait, tout ce qui se passe à la ferme, donc les réputations, les tickets à gagner. Et il manque une quête, je crois, en semaine 1. Voilà, encore la réputation avec Trévis, j'allais dire Honoré. Sinon, ben, pour le moment, ben, voilà. Hein. Je peux plus faire grand chose. Ça avance doucement. Voilà. Et là, on est au niveau 32, bientôt 33. Il manque, bon, 10 points, ça sera pour demain matin. Donc voilà. Allez, on rentre, on se débarrasse du loot, et puis on va se laisser là-dessus. Mais bien fun, le petit... Au pied de biche, c'est quand même pas mal. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait, hein. Je me suis un petit peu aidé, mais... J'ai essayé de compenser par le fait que je suis pas venu avec une grosse tenue. Donc voilà. Eh bien écoutez les survivants, pardon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance. Et d'ici là, vous le savez, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!